Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et ça me fait plaisir de vous retrouver. Oui, je sais ce que vous dites, que je n'ai pas été très productif sur le mois de mai sur YouTube et vous avez raison. J'ai pas beaucoup travaillé, c'est vrai, mais j'ai fait autre chose, hein. J'ai animé Twitch, tout ça, donc si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch, également me follow, on fait beaucoup de soirées, jeux, gaming, paranormal, tout ça, donc voilà. Bon, après, j'avoue que c'est vrai que YouTube, j'ai pas fait grand chose sur le mois de mai, parce que j'en avais besoin, je crois que mon cerveau avait besoin de décompresser un petit peu, vous le savez, j'ai chopé une merdouille qui m'a profondément fatigué. S'en est suivi une semaine de canicule absolument épouvantable. Parce que je sais pas chez vous, mais on s'est tapé des journées à 35, voire un peu plus. Les nuits, ça ne descendait pas. Donc, ça m'a pas franchement aidé à dormir, tout ça, voyez-vous. Donc, ouais, c'est vrai que là, le mois de mai, il a été assez compliqué. Mais je vais revenir sur le mois de juin. Et promis, je serai un peu plus productif sur le mois de juin. D'ailleurs, il va y avoir plein de nouvelles choses. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain, puisque je vais faire une vidéo un petit peu spéciale pour vous faire différentes annonces. J'ai pas envie de vous le faire là, parce que sinon je vais encore blabater pendant 30 minutes et c'est pas l'objectif de la vidéo, très clairement. Donc je vous ferai une vidéo demain qui sera dédiée à tout ça, et préparez-vous parce que j'ai plein de choses, oui on peut dire que j'ai plein de choses à vous dire, et j'ai surtout plein d'annonces à vous faire, des annonces qui sont importantes, des services, etc, etc. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Allez, je close ça. Oui, il n'y a pas d'intro. J'ai pas fait d'intro parce que, pour être honnête avec vous, j'enregistre, il est dimanche matin. Nous sommes à la fête des mamans. D'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans. Et par conséquent, j'ai pas trop le temps. Donc, je vais essayer d'être conscrit. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo demain un peu plus détaillée. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. On va utiliser l'oracle DCK pour faire nos énergies principales, on va dire. J'ai aussi envie d'utiliser l'oracle des merveilles pour compléter. On se prendra un petit animal de l'oracle des esprits guides, une petite pensée avec le livre oracle de chez Arcana Sacra de Francia Place, et on se fera une petite baguette chinoise. C'est parti les amis, allez, je vais essayer de me challenger et je vais essayer de faire ça en une vingtaine de minutes. Vous croyez que j'en suis capable? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va s'en prendre 2-3 comme d'habitude. Et on... Oh, ça commence bien. Regardez la carte que l'on a, une carte qui peut faire assez peur et qui pourrait nous dire peut-être de faire attention, d'être vigilant. Quelqu'un vous observe, quelqu'un vous regarde. Ça pourrait nous parler aussi, pourquoi pas, d'une forme de menace. Hein. Vraiment, là, ici, j'ai vraiment une idée. Je sais pas pourquoi, j'ai le terme anglais warning. Hein, attention, vigilance. Ou peut-être que c'est à vous de prêter attention sur quelque chose. Peut-être que c'est à vous aussi d'observer un petit peu dans l'ombre, d'être dans le recul, de ne pas trop vous impliquer dans quelque chose afin de pouvoir observer ce qui se fait, ce qui se trame, d'accord? Il peut y avoir une... Pourquoi j'ai le terme filature? Je sais pas. Ok, on a cette carte. On a cette carte qui nous parle... Alors pour moi, ça m'évoque de la manipulation. Regardez, je vous montre. On peut voir ici un jeune homme qui est relié avec un câble et une télécommande. Donc ici, pour moi, ça me parle clairement de manipulation. Faites attention pour ce début de semaine de ne pas vous faire manipuler, de ne pas vous faire flouer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche comme ça à vous manipuler, à vous faire chanter. Pourquoi pas? C'est un peu extrême, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ici, ça pourrait surtout parler de manipulation, c'est-à-dire... Vous manipulez dans le sens obtenir des choses spécifiques de vous tout faire pour que vous alliez exactement là où on a envie que vous soyez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être un patron qui peut agir comme ça. Ça peut être un proche. Ça peut être quelqu'un de mal intentionné. Hein, tout dépend la personne. Si elle vise quelque chose de particulier chez vous, eh bien, elle utilisera des outils pour obtenir ce qu'elle convoite. D'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ça pourrait aussi
Être la vigilance par rapport à vous, est-ce que certains d'entre vous usent de manipulation? Alors ça peut être à différents degrés, mais est-ce que c'est vous qui usez de manipulation pour obtenir ce que vous voulez? Attention, attention que cela ne vous retourne pas contre vous. On va prendre une autre carte parce que là ça m'interpelle. D'accord, le déménagement, le fait de partir. Fait de partir. Pour moi, ça m'évoque pas le déménagement à proprement parler. En d'autres decks, ok. On a des oiseaux qui sont en train de chanter ou d'échanger. Alors moi, ce que ça m'évoque ici, ça m'évoque peut-être le fait de voir clair dans un jeu, justement. Il est temps pour vous que vous voyez clair sur une situation et sur une personne qui cherche à vous manipuler, et il est impératif que vous coupiez définitivement les ponts avec cette personne-là qui cherche justement à vous manipuler. Attention, les manipulateurs, il en existe un bon nombre. Ça peut être des personnes qui utilisent vos sentiments, c'est-à-dire que ils vont vous faire culpabiliser de quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Je sais pas, quelqu'un qui va vous dire eh oui, moi je suis seul, nanana, et j'ai personne dans ma vie, et ça va créer en vous un sentiment de culpabilité en vous disant bah oui, je peux pas la laisser seule cette personne. Et puis rapidement après, ça peut développer autre chose, voyez. Donc attention ici, pour moi, il y a vraiment cet aspect de manipulation, de quelqu'un cherche à obtenir quelque chose de précis chez vous et va utiliser ou est en train d'utiliser certaines méthodes ou certains stratagèmes pour obtenir ces choses-là. Pour moi, ici, ça peut vraiment être deux choses. Soit cette sensation de vigilance, soyez vigilant et essayez de vous mettre peut-être en recul pour mieux voir son jeu. Parce qu'effectivement, quand on est rentré dans le jeu de quelqu'un, on n'est plus apte, on n'est plus objectif. On a plutôt une vision, j'ai envie de dire, flouée, on est plutôt subjectif. Surtout s'il y a des sentiments qui rentrent en compte, hein. Si on aime une personne, ben, on aura moins tendance à voir les choses ou on sera pas objectif sur notre jugement par rapport à cette personne. Donc ici, pour moi, il y a un aspect l'œil dans le noir. C'est-à-dire, placez-vous, ayez un certain recul, placez-vous dans une position qui fait que vous allez pouvoir, entre guillemets, espionner la chose, espionner la situation, avoir une vision un peu plus objective et un peu plus précise de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on est en train de vous faire vivre. Et une fois que vous aurez repris le contrôle de ça, eh bien, ce sera le moment de partir. Et partir au sens propre du terme. C'est-à-dire vraiment ne laisser personne, ne laissez pas cette personne, même si c'est un patron. Désolé, mais parfois il faut faire des choix. Il faut faire des choix, même professionnels. C'est-à-dire que si dans votre profession vous avez un patron qui n'est pas honnête et qui est tout le temps en train de vous manipuler pour obtenir des choses de vous, etc., etc. Pour moi, ça c'est pas sain. C'est clairement pas sain. Dans une entreprise, c'est une entité qui doit travailler ensemble. Le patron, il est juste là pour superviser parce qu'il est censé avoir plus d'expérience que vous, donc il sait comment les choses se déroulent, etc., etc. Et il est là pour vous guider, pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous diriger dans le bon sens du terme. Mais il n'est pas là pour vous manipuler, pour son propre compte. Tout ça c'est malsain. Donc si vous vivez quelque chose comme ça, il faudra peut-être prendre une décision d'ordre professionnel, hein, parce que très clairement, il peut y avoir une très mauvaise ambiance qui va s'installer après au boulot et ça peut devenir quelque chose de toxique et de néfaste au final. Donc non, on veut pas de ça, on veut clairement pas de ça. Je vais compléter avec l'oracle des merveilles. Mais ici, ouais, il y a vraiment ce sentiment de vigilance, de faire attention et de manipulation. Je ressens quelqu'un autour de vous. Soit à venir pour ce début de semaine, soit c'est déjà mis en place, mais il y a une personne fourbe. Il y a une personne fourbe autour de vous. Il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Il y a quelqu'un qui est plutôt en train de vous manipuler. Ouais, c'est vraiment le mot que j'ai. La manipulation. Quelqu'un qui cherche à vous manipuler ou qui vous manipule déjà. Donc prêtez attention à ça et observez. Essayez d'avoir un déclic, une vision éclairée pour pouvoir vous défaire de ça. Et il est possible peut-être que les problèmes que vous vivez à l'heure actuelle soient dus à cette personne. Peut-être qu'il y a un lien intrinsèque avec cette personne. Un peu comme une relation de cause à effet.
Alors, l'oracle des merveilles, le mur, l'impassable possible. Ouais, donc voyez, ici, on nous confirme quelque chose, puisque vous avez la sensation soit d'aller droit. Alors, ça peut être un double avertissement. Soit vous allez droit dans le mur, très clairement. Si vous continuez sur cette démarche, si vous continuez sur cette lancée, si vous continuez avec cette personne ou dans cette situation, vous allez droit dans le mur, très clairement. Mais en même temps, le mur peut aussi symboliser ici un obstacle. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous êtes conscient qu'il y a un obstacle, mais vous ne vous sentez pas capable de le franchir. Eh bien, si vous avez la possibilité de le franchir, l'impassable possible nous dit que ce que vous pensez ne pas être possible peut être réalisable. Il faut soit vous faire confiance, soit essayer de trouver d'autres solutions. Quand un mur se dresse en face de vous, vous avez plein de solutions pour franchir ce mur. Soit vous le longez jusqu'à arriver à sa fin. Au bout d'un moment, le mur, il va finir, hein, il finira. Donc, vous allez pouvoir passer à ce moment-là. Soit vous trouvez une échelle, vous trouvez des outils, soit vous dynamitez le mur, hein, pour forcer, mais un mur, il y a toujours moyen de pouvoir le traverser. Ensuite, on a la lune. Je viens de vous dire l'œil dans le noir. C'est quand même drôle. Regardez ce qu'on vient d'avoir. On vient d'avoir la lune avec le regard dans le noir. Donc on a vraiment cette vision. C'est fou, hein? Regardez ça. On a vraiment cette vision, quelque chose qui sort de l'obscurité. Alors du coup, ça pourrait aussi évoquer. Ouais, non, mais on revient en fait au même truc, à savoir la vision du troisième œil, le fait de voir quelque chose que l'on ne verrait pas de son conscient, hein? Donc ici, il y a vraiment un appel à ne pas regarder avec vos yeux, mais plutôt regarder avec autre chose, regarder avec votre esprit, regarder avec votre conscience, regarder avec votre cœur. Mais ici, on ne vous demande pas de regarder avec vos yeux, mais de regarder autrement. Et il faut faire attention parce que les yeux, il n'y a pas plus grand traître que les yeux. Parfois, on croit avoir vu quelque chose et on va apporter un témoignage en disant oui, je l'ai vu, c'est bien lui, c'est... Attention, attention quand on affirme ce genre de choses parce que nos yeux peuvent nous trahir. Donc ce que vous croyez avoir vu n'est pas forcément le reflet de la réalité. Imaginons, moi je sais pas, vous arrivez 5 minutes plus tôt du travail et puis vous voyez votre mari ou votre épouse qui est en train d'enlacer un homme ou une femme et tout de suite vous allez partir au quart de tour, vous allez partir machin chez votre mère et compagnie. Alors que non, ça se trouve, c'était peut-être juste un ami, c'était peut-être juste un membre de sa famille que vous ne connaissez pas. Peut-être que votre mari ou votre épouse, il a vécu un truc super chelou dans la journée et que sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 10 ans et que vous ne connaissez pas, eh bien, a réapparu dans sa vie et par conséquent, c'est sa sœur qui l'enlaçait. Et comme c'est une femme que vous ne connaissez pas, eh bien, du coup, ça a créé un quiproquo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce type-là de vision. Méfiez-vous de ce que vous croyez avoir vu qui ne serait pas forcément le reflet de la réalité. Donc, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Et il y a vraiment ici un aspect d'être éclairé. Ouais, le champignon, le pays des merveilles. Le champignon, c'est, bah voilà, c'est la hallucinogène, hein, c'est celui qui vous fait voir des choses et aussi qui crée une sorte de déséquilibre parce que le champignon, il a la particularité de soit vous faire rapetisser ou de vous faire grandir. Mais ça peut être rapetisser ou grandir dans un autre sens. Ça peut être une image métaphorique. C'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est quelque chose qui peut soit vous faire régresser, soit qui peut vous faire grandir. Et effectivement, si vous êtes face à une sorte d'hallucination, quelque chose, une perception qui ne serait pas le reflet de la réalité, ça peut effectivement vous faire soit régresser ou vous faire avancer. Donc attention de ne pas vous faire flouer ici et tâchez de prendre les bonnes décision et surtout ne pas avoir peur d'être dans la démarche d'essayer, hein, d'accord? Et en d'autres decks, oh bah en d'autres decks, on a le trou de lapin avec la chute improbable. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, ici, on vous dit bien de ne pas avoir peur de vous lancer, de faire la chose. C'est-à-dire que effectivement, si vous reprenez bien vos esprits et que vous reprenez une pleine capacité de votre potentiel et que vous reprenez les choses en main, tout simplement, c'est à vous de reprendre le contrôle sur une situation. Pour ce début de semaine, vous allez être amené à reprendre le contrôle soit de votre vie, soit d'une situation, soit d'une relation, peu importe. Mais vous allez devoir reprendre le contrôle. Et justement, n'ayez pas peur de reprendre le contrôle. Ça peut vous effrayer de vous dire non, mais moi j'aimais bien quand on gérait à ma place. Non, non, il faut reprendre le contrôle, c'est important. Donc ne laissez personne vous manipuler ou avoir le contrôle sur vous. C'est à vous de reprendre le contrôle et surtout n'ayez pas peur de le faire. C'est un peu comme une sorte de saut dans l'inconnu.
Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez la décision d'en terminer avec une situation, avec une personne, avec un travail ou quoi que ce soit, parce que vous vous rendez compte qu'on vous manipule, qu'on vous ment, etc., etc., ça peut faire peur dans le sens où voilà, ça va être un saut dans l'inconnu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je prends telle décision, je me retrouve sans travail, sans argent. Si je prends telle décision, je me retrouve à divorcer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ici pour moi, il y a une prise de décision qui est importante et qui peut vous faire peur justement, mais c'est une décision qui va vous apporter quelque chose de bon après. Donc n'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de prendre cette décision, même si voilà, même si ça peut paraître effrayant. On va regarder avec l'oracle des esprits guides. On se prendra le conseil du livre après. Et on a la vocation avec le petit dauphin. Et le dauphin, je me souviens que je vous parlais justement de vocation, que le dauphin, il avait en lui, il était porteur de bien, il était porteur d'assistance envers les autres. Et effectivement, pour moi, il y a ici un aspect de vous porter assistance à vous-même. C'est bien beau de toujours vouloir aider le monde, de toujours vouloir aider les autres, etc. Mais il y a un moment donné où il faut aussi savoir s'aider soi-même, hein. Comme le proverbe le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut savoir s'aider soi-même et il faut aussi savoir trouver sa vocation à travers justement les choses que l'on exprime. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. On va regarder la carte qu'on nous dit sur le dauphin. Le dauphin, il est là. Non, ça c'est le dragon. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, le dauphin avec la vocation. Au plus profond ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience, porté par l'océan des possibles. Vos émotions sont votre univers, elles vous mènent où bon vous semble dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît plus éclatant que son contraire, et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ressentis et vos évidences sont affûtés et portés par le dauphin. Vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents? La période actuelle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé, d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il a été créé. Un don manuel, technique, intellectuel ou encore spirituel est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous en avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance. Si ce n'est pas le cas, il vous apparaîtra bientôt comme une évidence. Ce don est ce qui vous parle le plus et qui vous attire sans que vous ne sachiez pourquoi. Ce qui peut vous occuper durant des heures et des journées sans que vous ne voyiez le temps passer. Travaillez-le comme un loisir et faites-en votre métier. Il sera votre fidèle compagnon et ne vous fera jamais défaut. Eh ben, je trouve que la carte correspond bien avec ce que je viens de vous dire, puisqu'on nous parle d'une lumière qui se réveille en vous et que vous êtes de plus en plus attiré vers la lumière. La lumière peut nous parler de quoi? La lumière peut nous parler aussi de faire. C'est le cas de le dire, la lumière sur une situation, d'y voir plus clair, de voir où est-ce qu'on fout les pieds, de voir qui sont les acteurs présents avec nous dans la pièce aussi, voyez ce que je veux dire? Donc il y a un aspect de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre le contrôle sur plein de choses, sur votre capacité, sur vos potentiels, sur vos envies, vos projets, etc. Et de ne plus vous faire flouer par les ténèbres qui pourraient vous entourer, par des personnes qui cherchent à vous manipuler dans le noir, justement. Au contraire, là, il est temps d'ouvrir clairement les yeux. Et voilà, de sortir du tréfonds des océans pour revenir à la surface et vous révéler ainsi. Un très joli message, franchement, un très très joli message. Allez, on va continuer avec le grimoire qui vous veut du bien. Allez, on pense à rien, on se laisse porter par le message du livre et on se place, tac, par ici. Alors, on vous dit de vous reconnecter à la terre. Ancrez-vous en elle, comme si vous possédiez des racines sous vos pieds qui s'enfonceraient dans ses profondeurs, pardon. S'enraciner permet de mener à bien ses projets, de profiter des bienfaits de la terre comme un soutien. Vous serez plus fort, plus déterminé, plus stable, plus présent dans votre vie. Jardinez, promenez-vous dans la nature, dans les forêts, prenez le temps d'admirer les arbres, posez vos mains sur leurs écorces, demandez-leur de donner de vous
donner de leur vigueur et remercier-les. Là, on vous parle de vous reconnecter à la terre et je trouve que c'est assez logique et que ça colle bien justement avec tout ce qu'on vient de tirer, puisque effectivement, si en ce moment vous vous sentez comme perdu et que vous avez l'impression de ne plus rien contrôler et que ce soit un petit peu trop les autres qui contrôlent votre vie, peut-être il y en a certains hein, qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, comment penser, machin. Non, ça, tout ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire pour vous et pour vous seul. Si ça plaît aux autres, c'est bien. Si ça plaît pas, on s'en tape le coquillard, très clairement. Mais il est vraiment temps ici que vous repreniez le contrôle sur vous et sur votre vie, que vous ne vous laissiez plus influencer par qui que ce soit, que vous pensiez par vous et vous seulement, que vous décidiez des choses par vous et vous seulement. Et là, on vous invite également à faire un exercice d'ancrage, un ancrage à la terre qui effectivement pourrait vous apporter énormément, puisque quand on prend des décisions importantes, quand on décide de bouleverser certaines choses et de reprendre le contrôle de sa vie, on peut comme ça être un petit peu malmené si jamais on n'est pas bien ancré. Donc profitez-en pour vous ancrer, voilà, pour aller en pleine nature, hein, pour faire du jardinage, pour vous promener, faire des pique-niques. Si vous aimez ces sensations, je vous invite à enlever vos chaussures, vos chaussettes, tout ça, et vous marcher directement sur la terre pour sentir l'herbe, sentir la terre, sentir les énergies, et imaginez que vos pieds développent des racines. Hein. Imaginez que vos doigts de pied font des petits bourgeons et qu'il y a des racines comme ça qui commencent à se planter dans la terre, et vous nourrissez des énergies de la terre, voilà, et en même temps vous renvoyez tout ce qui est mauvais à la terre afin qu'elle puisse le purifier et le sanctifier, et vous vous nourrissez de tous les bienfaits de la terre. Et vous allez voir, si vous faites cet exercice régulièrement, vous allez voir, il y a un vrai mieux, je vous promets qu'il y a un vrai mieux, rien que le fait déjà de se balader en nature, de profiter un petit peu de cette nature, de faire une petite cure de sommeil, je voulais dire de soleil, mais sommeil ça marche aussi, de sommeil et de soleil, et bien toutes ces petites choses vont contribuer à votre ancrage, à refaire votre ancrage, et ça va vous faire du bien. Allez, on termine avec notre petite baguette chinoise. Et nous avons la 25. La 25 nous dit... 26, juste avant, 25, tac. Même si vous paraissez souffrir d'une grande perte en ce moment, une amélioration va se produire, bien qu'elle risque de n'être que partielle et insatisfaisante. Les choses vont s'arranger, mais pas tout de suite. Vos perspectives d'avenir sont meilleures sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Aussi serait-il souhaitable de prendre sur votre temps de travail pour vous occuper de votre vie privée. Peut-être avez-vous négligé l'aspect spirituel de votre personnalité. C'est intéressant quand même parce qu'on nous parle beaucoup de spiritualité, là, je trouve, dans ce tirage. N'oubliez pas, et ça je vous le dis souvent les amis, il ne faut pas soigner un domaine plus que l'autre, parce que ça va créer un déséquilibre. En effet, si vous consacrez plus de temps à votre travail, automatiquement, vous allez négliger votre vie de famille, vous allez vous négliger vous-même, vous allez négliger plein de choses. À l'inverse, si vous consacrez trop de temps au plaisir, machin, etc., vous allez négliger votre travail, donc ça va créer un déséquilibre. Si vous négligez votre travail, peut-être que ça va impacter le domaine financier aussi. Et si le domaine financier est impacté, eh ben, ça veut dire des soucis en plus. Comment je vais payer le loyer? Comment je vais remplir le frigo? Ceci, cela. Donc, ça va créer un nouveau déséquilibre. Si vous consacrez trop à vos enfants, eh bien, c'est pareil. Ça veut dire que vous allez négliger votre couple. Vous allez négliger qui vous êtes. Vous allez négliger plein de choses. Si, au contraire, vous consacrez trop à une histoire d'amour, trop à quelqu'un, eh bien vous allez négliger le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut impérativement, ça peut être ça aussi la reprise de contrôle sur vous et votre vie. Quand on parlait de manipulation tout à l'heure, ça peut être vous qui êtes votre propre manipulateur, dans le sens où si vous consacrez trop de choses à quelque chose, à une situation, vous allez automatiquement créer un déséquilibre sur autre chose. Et qui dit déséquilibre dit que ça va entraîner tout un tas de problèmes. Donc reprendre le contrôle de sa vie, ça peut être aussi, allez, maintenant je consacre tel temps à mon travail, j'en accorderai pas plus. Après tout, sur mon contrat, il est écrit 35 heures, j'en fais 35, j'en fais pas 40, hein, très clairement. Ma vie de famille, je consacre ceci, cela, je me consacre du temps aussi pour moi, pour me pomponner, pour me faire du bien, pour me relaxer, pour me faire plaisir, pour faire des choses que j'aime, etc., etc. Et tout en créant, voilà, tout en créant un équilibre pour chaque. Et on essaye de ne pas trop donner pour l'un ou pour l'autre afin de vivre dans une sorte d'harmonie et d'équilibre.
Eh bien les amis, vous avez du boulot pour ce début de mois de juin, hein, parce que du coup c'est les énergies du mois de juin, j'ai envie de dire, puisqu'on termine là le mois de mai. Vous avez du boulot pour ce mois de juin, mais j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on vient de sortir de Beltane, Beltane qui nous parle justement d'énergie, de renaissance, de feu, etc. Le feu c'est l'élément de la purification avant tout. Donc justement là on vient de se purifier, on vient de nettoyer un petit peu les choses, et je pense que le mois de mai, et là je parle pour beaucoup ce que j'ai ressenti moi, vous avez été nombreux à le ressentir, vous me l'avez dit lors des lives, de messages privés, de mails, etc. Vous me l'avez dit, vous avez été nombreux à me dire que vous aussi, vous étiez fatigué, vous vous sentiez vide, vous vous sentiez las de tout, pas motivé, etc., etc. Donc j'ai envie de dire que c'est normal, ce sont les énergies déjà qui ont fait ça, hein, parce qu'entre l'alignement planétaire, etc., on a quand même vécu des événements cosmiques. On parle pas de folklore ici, on parle pas de surnaturel. Non, c'est vrai, l'alignement des planètes, il est vrai, il crée une véritable influence sur notre Terre et automatiquement sur ses habitants, hein, sur toute la vie en général. Donc ça nous épuise au sens propre du terme, on se sent comme ça, comme étiré. Voilà, comme si on était de la guimauve qu'on travaillait, on nous étire, on nous étire, on nous étire. Mais il y a un moment donné où on peut plus étirer parce que la guimauve, elle en peut plus. Voilà, et ben on est exactement ça, à force d'avoir été étiré, 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 on n'en peut plus. Voilà. Donc là, le mois de juin va être un petit peu plus doux, on va arriver sur les énergies de l'Ita. Donc l'Ita, on va vraiment être sur cet apogée d'été, etc. On va être sur des énergies solaires et lumineuses qui vont venir justement réchauffer. Imaginez que vous êtes une sorte de panneau solaire. Voilà, vous êtes à la fois un panneau solaire avec une batterie. Votre batterie actuellement, elle est vide. Eh bien, il va falloir recharger votre batterie. Et pour cela, eh bien, il va falloir faire des exercices réels, comme par exemple sortir, prendre le soleil pour de vrai, parce que le soleil permet de créer de la vitamine D, permet de pouvoir rebooster aussi le corps. Le fait de se balader en nature, eh bien, ça va vous réoxygéner les poumons, etc. Donc vraiment, faites cet exercice pour de vrai, aller vous balader aussi souvent que vous pouvez le faire pour recharger vos batteries. Faites des choses qui vous plaisent, reprenez, mettez-vous, fixez-vous un rythme. C'est-à-dire, ça sert à rien de vous fixer plein d'objectifs en vous disant, comme moi, je prends un exemple très concret. Le mois de mai, clairement, j'ai pas beaucoup travaillé. Là, si je rentre dans le délire de me dire, oulala, au mois de juin, il faut que je fasse une vidéo chaque jour, machin et tout, et là, je commence à me mettre la pression et ça va me démotiver direct en me disant, non, mais non, ça y est, je vais partir dans le même enfer. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire les choses quand on a envie de le faire, sur le moment, sur le besoin, etc. Et ne pas se fixer des objectifs qui ne soient pas réalistes. Je vous le dis souvent. Mais fixez-vous des objectifs qui soient réalisable. Hein, je vous cite souvent le régime. C'est pareil, un régime, on se fixe pas l'idée de perdre 30 kilos d'un coup. C'est pas possible. Par contre, si on se fixe l'idée de se dire, bah tiens, là je me laisse le trimestre pour perdre 5 kilos, ça c'est jouable. 5 kilos en 3 mois, en un trimestre, c'est jouable. 30 kilos en un trimestre, c'est jouable. Ça peut être possible, mais il va pas falloir manger, il va falloir choper une gastro le plus souvent possible, contracter le ver solitaire, faire un max de sport. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement débile. C'est voilà, et en plus, vous risquez de mettre votre vie en danger, très clairement. Donc non, il faut pas se fixer des objectifs comme ça. C'est pas parce que vous avez pris du retard sur quelque chose ou vous prenez conscience aussi de quelque chose, parce que là aussi, quand on fait du changement, on se dit, allez, je vais tout changer, je vais tout faire, machin, et on se lance dans plein de trucs, on s'éparpille de partout, et à la fin, on n'a strictement rien fait, voilà. Non, quand on veut opérer un changement, quand on reprend les choses en ordre, eh bien, il faut faire étape par étape. Hein. C'est comme, par exemple, je sais pas moi, un déménagement. Justement, on avait la carte du déménagement. Un déménagement, on dit pas, tiens, samedi, je déménage, et puis le samedi, c'est la folie, il y en a de partout. Non, un déménagement, ça se prépare en amont. On commence à préparer des cartons, on commence à en amener, hein, avec la voiture, tout ça, si on peut amener des petits meubles, des petits cartons, etc. On essaie de dégrossir pour que le jour J, il y ait que les grosses pièces à prendre, voyez. Bah, c'est le même principe dans la vie. On déménage pas tout d'un coup comme ça. Non, on fait étape par étape. Eh bien, c'est pareil pour vous. Voilà. Allez mes chers amis, bah moi qui voulais faire une vidéo en 20 minutes, c'est loupé, encore une fois, on sera sur 30 minutes, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, moi je vous fais tout un tas de bisous, prenez bien soin de vous, commencez bien le début de la semaine. Je vous donne rendez-vous demain, je vous parle, voilà, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire, mais on en parlera mieux demain en détail. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitch, hein, voilà, on fait plein de choses, on se détend, on profite de la vie, on essaye de rire, enfin, j'essaye de vous faire rire en tout cas. Et puis voilà, allez, sur ce, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite dans de prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, tout ça, vous connaissez le racolage de YouTubeurs.